Yes, yes, yo, les puceaux. Aujourd'hui, j'en avais putain de marre de faire de la guitare, mon gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu vois ce que je veux dire. Toujours le même instrument, ok? Je me suis dit, je vais apprendre un nouvel instrument, genre maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir un putain de groupe de punk français, mon gars. Ça s'appelle La Femme. Je sais pas si tu connais, je sais que tu connais, tout le monde connaît, je sais que tu connais, toi-même tu connais. Et il y avait un instrument, mon gars. J'ai eu le coup de cœur. Ça s'appelait le theremin. Je me suis dit, il me faut cet instrument, genre maintenant. Alors, je me suis dit, je vais voir tout de suite ce que ça donne sur l'internet pour voir le prix que ça coûte. Ok, alors. Oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. Putain de ta mère, ça coûte trop cher, tu sais quoi, je vais le faire moi-même. Ok, donc je sais pas si t'as remarqué, mais là on est un peu dans mon atelier personnel, tu vois. Alors aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais il y avait un truc horizontal, genre comme ça, tu vois. Il y avait un petit truc vertical, genre comme ça. Je crois qu'il va falloir un pot de scotch, genre comme ça. Et surtout un truc électrique pour brancher un ampli, mon gars. Et va falloir avoir beaucoup de talent, ok. Alors on va commencer, tu vois, par lier les deux parties comme ça. On va mettre un peu de scotch. Ok, une fois que tu as mis assez de scotch, il faut s'assurer que ce soit bien solide, tu vois. Ok, une fois que tu as mis assez de scotch, tu vois que c'est assez solide, comme ça, il n'y a plus qu'à brancher. Peu importe, tant que ça fait du son, tu vois, genre comme ça. Ok, maintenant je sais pas si tu as marqué, on est un peu dans mon studio d'enregistrement là, tu vois. J'ai branché l'appareil. J'ai allumé l'ampli. On va tester ça tout de suite.